Bonjour à tous, c'est Brian pour une nouvelle vidéo sur Alienization pour l'épisode 16. Si je me souviens bien, c'est ça. Alors, on va continuer notre let's play. Alors, j'ai regardé, on est à l'épisode, on est au chapitre 10 et il y en a 19, donc il nous reste encore pas mal. Et je pense que, vu le titre que j'ai vu du chapitre 10, on va galérer. C'est marqué qu'on piège. Donc, à mon avis, on va se faire niquer. C'est fort probable. Et en plus, vous avez vu, pour sauvegarder, ça m'a mis ennemi proche ou un truc comme ça. Donc, franchement... c'est pas très bon. Alors, l'identité. Là, il est où le truc là? Ok. Ici. Bon, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Wait, ici le docteur Lingard. Je viens juste d'examiner une patiente avec. Oh, je n'ai jamais vu ça. C'est une sorte de parasite inconnu. J'ai vérifié vite fait le nom qu'ils m'ont communiqué, mais rien n'apparaît dans les fichiers de Sébastopol. Je pense qu'elle est montée à bord il y a peu. Est-ce que vous savez quelque chose? Je n'ai aucune idée de ce que Sinclair et ses hommes fabriquent, mais ça aurait dû être signalé pendant la quarantaine. Qui sait ce qu'ils ont laissé passer d'autre? La patiente m'attend avec son capitaine dans la salle d'examen. Ramenez-vous maintenant. Faudrait qu'on discute de ce qui s'est passé à San Cristobal. Voilà, c'est marqué ça. C'était pas pour avoir et je comprends bien que tu veuilles pas faire de vagues et que ce soit géré le plus vite possible. Mais je veux m'assurer que tu fasses rien d'irréfléchi. D'ailleurs, il va me casser quoi. Je veux dire, on peut choper le spécimen. Ah, okay, si on la joue finement, on pourrait s'assurer des jours heureux. J'ai des contacts, Waits. Je peux arranger ça. T'es plutôt jeune, Waits. Alors, déjà, tout ce qui est ça, on va en fabriquer. Important. Tu peux pas faire ça indéfiniment. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire quand Sébastopol fermera? T'as mon numéro. Ransom, terminé. Toujours plein. Émetteur de son aussi. Bon, ok. Ah, c'est bien. Ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, je peux encore. Ça, on en fabrique parce que c'est hyper important. Ah, bien sûr, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc bientôt il va s'éteindre la caméra. Ah là là, bon. Oh, j'espère bien que ça marche. C'est un animal. Les animaux ont peur du feu. Espérons. Voilà. Là-bas. Ok. J'ai une combine pour le piéger. Allez prendre une navette de transit et rejoignez Ricardo à la tour Systec. Je m'occupe des coordonnées. Merci bien. Ouh, ça bug un peu. Ouh là là. Ouh là. Ça saccade sa race. C'est quoi ça? Verrou ou mot de passe. Ok. Oh,
toute façon, on va prendre ça, le revolver. Et quoi, si on croise des gens. Allez, voilà. C'est bien là, c'est ça. Ripley, vous êtes en chemin ? Oui. Ricardo doit être devant vous. J'ai envoyé votre copain Samuels au processeur d'Android. Une fois qu'on aura buté cette chose, je lui demanderai d'accéder à Apollo et de lever le verrou. Et Samuels est d'accord ? Il a dit qu'il voulait filer un coup de main et moi j'ai trop de choses à faire. En plus, c'est un synthétique. Ça devrait être facile pour lui d'y entrer. Je suppose. Écoutez Ripley, on est les seuls à pouvoir empêcher cette créature de plonger Sébastopol dans le chaos. C'est trop tard pour ça, Waits. Tout ce qu'on peut faire... Faut prendre bien... Elle est à la tour du maintenant, système. C'est aller tuer cet enfoiré. Ok. Allez, vas-y. Alors, j'espère que ça vous plaît toujours. Si vous ne me suivez pas sur ma page Facebook, vous pouvez me suivre. Le lien est dans la description. Pareil pour mon Twitter. Tout est dans la description, je mettrai tout. Et puis, comme chaque début d'intro et tout, je mets toujours ça sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bah, vous pouvez vous abonner. Voilà. Je suis dans la tour Six-Tech. Elle est tout là-bas. Elle est au centre de serveur. Ok. On y va. Doucement, mais on y va. Soit je passe par là. Est-ce que je peux passer par là aussi? On va déjà aller là.
dorme bientôt. Putain. Je claque de tout ça. Pas eux. Pas eux, pas eux. On va essayer d'aller à un autre endroit. Si je peux. Putain, ça m'a fait peur, sa race. Je m'attendais pas du tout en fait. Bon, en fait, on va pas aller dans ce. Ça fait chier. Le rassemblement le plus proche en cas d'incendie. Ceci n'est pas un exercice. Veuillez rester calme. Ah! Mais qu'est-ce qu'il me fout là, lui? Putain, mais c'est... Mais en fait on est dans le même truc, je suis trop con. Ouais. Localiser et activer le système anti-incendie. Ok. Faut que j'aille là-dedans quoi. Wait, qu'est-ce qui cloche avec cette station? Elle a jamais vraiment bien. Ok. Et à cause du démantèlement, il y a plein de systèmes qui ont dû fermer. Ouais, c'est pareil. Ajouter à ça le fait que tout le monde est trop occupé à essayer de rester en vie plutôt que de faire tourner la baraque. Et c'est le bordel. Tu m'étonnes. Donc alors. Je suis obligé de passer par là-bas. On va aller. Hein. Putain, faut que je fasse tout le temps. Allez, quelqu'un va envoyer de l'aide. Y a pas un truc qui vient d'exploser là-bas? C'est le cadet de vos soucis. La créature est pas loin. Vous avez entendu la demoiselle? Ah. On dégage. Ils ont menti en fait. Merci, c'est bien. En même temps, moi, à chaque fois, je trouve qu'ils sont tous méchants, donc...
On sait pas qui est chantier et tout. Waits, la créature. Comment on fait pour l'emprisonner? La tour a été construite pour traiter les composés chimiques précieux trouvés sur la géante gazeuse. Des mesures de précaution contre le piratage sont toujours en place. On peut sceller la tour, les conduits, les portes, tout. Donc, vous construisez une cage autour de la créature. Et ensuite, Ricardo l'enferme. Donc là, faut descendre de façon, je pense. Oh putain, qu'est-ce que c'est chaud quand même. Ah. Ok, c'est là. Ah, je me rappelle ici, j'étais resté bloqué longtemps. L'entrée devant est condamnée. Utilisez le terminal à la réception pour ouvrir la porte. C'est là, ouais. Non, mais elle est fermée là. Ouais, c'est ça. Et du coup... Du coup, je peux accéder comment? Là, je me rappelle ici, hein, avec la créature. Gentil ou méchant? N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité Sixam.
monter. Bah vite. On va dire ça. Flamme. La sauf faudra s'en servir. La sauf pour le pousser. En fait, c'était juste ça, je parie. Faut le repousser avec ça. Verrouiller le couloir de la réception du centre du serveur. Ouais. Je dois bien savoir où qu'il est. Est-ce qu'il faut monter? Est-ce qu'il faut descendre? Là c'est là où vous venez donc déjà. C'est là-bas. Il n'y avait aucune issue de secours et personne pour les faire sortir.
c'était pour lâcher un îlot dans une bergerie. Vous et moi, on n'a que deux options. Le camp des gentils qui font encore confiance au marshal. Ouais, bon, j'espère que ça va bien. Si j'ai remis mon chargeur, ça c'est pas très bon. Ah là, c'est ici. Ok. Hughes, ici Ransom. Je viens de recevoir votre requête. Oui, j'ai bien des archives du relais de transmission et j'ai effectué quelques décryptages. Je cherche des rapports d'un équipage qui ont été captés par Sébastopol il y a des lustres. Je sais que vous faites du mouron, mais c'est de l'histoire ancienne. J'ai besoin de savoir certains trucs. C'est à propos d'une... transmission de données pour la compagnie émise aux abords de Tellus par un vaisseau avant qu'il entame son voyage de retour. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ceci dit, personne d'autre n'a besoin de savoir, hein? Voilà. Si vous balancez... Ricardo, réception du centre du serveur. Enfin, je veux dire, bien joué. Va dans la grotte de serveur. Discretos. Vous voyez la grotte. Mettez-moi au courant quand ils auront fini. C'est où la grotte? Regardez ça dans le domaine civil. Non, ça me fait chier, elle est n'importe où. C'est quoi ça? Là-bas, mais ils sont sérieux, c'est hyper.
parce qu'il faut faire hyper attention à tout le tout là. C'est pas ça, mais. Putain. Ça a pucé quand même tout ce qu'il y a. Bon, on a vu là-dedans, je peux pas y aller. Y'a pas un truc pour sauvegarder là, parce que là je suis mort, donc je pète un câble. Jusqu'à là-bas, mais non, mais ils sont pas sérieux. Attendez. J'entends. Un point de sauvegarde. Comment allez-vous ? Il est où ? Là-bas. On y va. Comme ça, sera terminé la vidéo. Parce que là, je pense qu'elle va être long. J'ai prévu une fermeture d'urgence sur le terminal dans la grappe de serveur. Il faut la déclencher de là pour t'enfuir. La sortie est ouverte jusqu'à ce que tu sois dehors. Ensuite, je referme le piège. Donc, allez. Et voilà. Enfin. Voilà, c'est bon. Alors, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Est-ce que... Ouais, bon, c'est pas grave. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!